Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On Intérieur les Cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Et nous terminons ces lectures avec le signe du poisson. J'espère que vous allez tous très bien. Évidemment, cette lecture va correspondre aux personnes qui sont d'un ascendant, d'une lune ou d'une Vénus dans le signe du poisson. Ok ? Je rappelle également que c'est un tirage qui va être général, ça ne va pas parler à tout le monde. Et s'il vous plaît, un petit peu d'indulgence, et je vous conseille dans tous les cas d'aller voir votre autre signe, ascendant lunaire et vénitien, pour avoir des détails sur cette lecture, ou soit pour avoir des messages, tout simplement. Voilà. Je rappelle également que j'ai une page Facebook et un groupe Facebook que vous pourriez rejoindre. C'est tout simplement Romain tire les cartes, le lien est dans la description. Pour me permettre, voilà, pour me soutenir, c'est tout à fait, c'est totalement gratuit, vous inquiétez pas. Et puis, voilà, vous êtes mes petits, sur Facebook, vous êtes mes petits voyants, vous êtes mes petits médiums, parce que vous savez un peu tout en avance par rapport aux abonnés qui sont sur YouTube, ok? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Aussi, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, on arrive bientôt aux 1000 abonnés, et aux 1000 abonnés, je ferai un grand live de voyance où vous pourrez me poser toutes vos questions concernant le domaine ésotérique, le monde invisible, les esprits, etc. Et puis, je répondrai également à vos questions, concernant voilà, vos préoccupations. Je répondrai à vos questions personnelles. Waouh, l'étoile et la force, c'est très bien ça. Je pense que certains d'entre vous, vous croyez dur comme fer à, comment est-ce qu'on appelle ça, à vous espérer. Hein. Du moins, vous êtes très protégés là-haut. Ok, on est parti pour vous. Poisson, février 2021. Février 2021. 8 de denier. Alors, il y a vraiment des personnes ici qui travaillent beaucoup sur... qui recherchent beaucoup sur, sur Internet, peut-être, sur les sites de rencontres, quelqu'un. Ça se voit, ça se ressent. Février 2021 pour les poissons célibataires. Hop là. Février 2021, célibataire pour les poissons. Encore ? D'accord. Bon. Alors, vous, pour vous les poissons, là, vous avez un gros lâcher-prise. Vous avez un énorme gros lâcher-prise sur vos émotions. Je pense que là, pour février, vous allez vous... Mais vous lâchez... 1, 2, 3, je commence à bafouiller. Il y a un gros lâcher-prise ici par rapport à vos émotions, par rapport à tout ça, à vos intuitions. Je pense que vous allez beaucoup laisser parler vos intuitions et vous allez beaucoup laisser parler votre cœur, vos sentiments et vous laisser guider par, par eux. Ici, vraiment ce que je ressens. Donc, vous allez être encore plus intuitif et encore plus, encore plus intuitif. Génial. Ok, on est parti. Février 2021 pour les célibataires poissons. Poissons célibataires, février 2021. Voilà. On est parti. Alors, attendez, je bois un petit coup et j'arrive. Allez-vous, votre état d'esprit pour le mois de février 2021 est à la... Waouh, le nouveau départ, l'as de bâton. Un nouveau départ, plein de volonté, plein de détermination, plein de volonté, clairement, ici. Donc, c'est très bien. Un nouveau départ, un nouveau départ par rapport à votre vie sentimentale. Et je sens ici qu'il y a des personnes qui ont fait un gros ménage, qui ont fait peut-être un gros ménage d'un point de vue de leur contact. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, peut-être que ça va vous parler, mais un gros ménage, vraiment. Je peux me tromper, mais peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être fait un gros ménage d'un point de vue des contacts, en vous disant, telle personne, j'y parle plus, on supprime, allez, hop, du vent, ce genre de choses-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette idée en tête. Dans tous les cas, pour d'autres,
C'est vraiment j'ai envie de dire, un nouveau départ dans votre vie sentimentale, passionné, vraiment passionné, et puis vraiment violent, et puis plein d'énergie, hein, ok? Le blocage, la chose dont il va falloir travailler pour le mois de février, la 10 de denier. La 10 de denier, ça peut être... La 10 de denier, c'est la famille. La famille, ça peut être les enfants, la descendance. Alors, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore dans votre foyer, dans votre maison, qui vous empêcheraient d'avoir quelqu'un? Ou est-ce que, je sais pas, quelque chose comme ça, ou je sais pas, il y a quelque chose peut-être dans votre foyer, dans votre maison qui vous empêche peut-être d'accueillir quelqu'un. Alors, est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous déménagez? Ou du moins, il y a quelque chose dans votre maison, dans votre appart qui vous empêche... Ou ça peut être quelqu'un hein, dans votre famille qui vous empêcherait... voilà. Ou ça peut être également si vous êtes divorcé, ça peut être l'ex-mari ou l'ex-femme qui peut vous embêter et qui vous empêche et qui vous freine à rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà mes hypothèses. J'attends et bien évidemment j'attends vos commentaires. Le conseil que l'on vous donne pour rencontrer quelqu'un pour le mois de février, la communication. Continuez à communiquer, continuez à rechercher quelqu'un. Ouais, et là, le valet de bâton, le valet d'épée, je pense franchement que c'est quelqu'un dans votre foyer qui pourrait vous empêcher de rencontrer quelqu'un. Je peux me tromper, mais dans tous les cas, j'attends vos retours, hein. Mais ici, le valet d'épée nous parle de communication virtuelle, on nous parle de bravoure, on nous parle de courage, on nous parle vraiment de quelqu'un de vaillant, quelqu'un d'un guerrier ou d'une guerrière, vous voyez, ici. Ce qui vient vers vous pour le mois de février 2021, encore un nouveau départ. Un nouveau départ, cette fois-ci d'un point de vue de vos valeurs, d'un point de vue ouais, de vos valeurs, de ce qui vous tient à cœur. Ça peut être un déménagement, hein. Ça peut être un déménagement, clairement, c'est pas impossible, hein. Ça peut que ce soit un déménagement pour certains d'entre vous. Ça, je ne... Non, j'ai pas retrouvé... C'était la lune, j'aurais dû regarder en dessous. La 2 de coupe, hein. 2 de coupe, force. Ouais, donc il n'est pas impossible que peut-être qu'il y a un ex-partenaire qui vienne peut-être vous embêter ici, hein, qui pourrait vous empêcher de rencontrer quelqu'un. Donc voilà. Donc voilà, et là il y a un nouveau départ, donc je pense que vous finirez par vous en débarrasser ou vous finirez par passer outre. Voilà, je vous fais un gros bisou, on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages.